Mes amis téléspectateurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le téléjournal là pour Assoya. Rapidement, mais quelques points nous allons développer pour vous. Président de la République, là, Jovenel Moïse, participé mercredi 10 octobre là, dans le lancement programme appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Là, programme ça réalisé sous direction ministère commerce et industrie et puis commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle Génio. Première dame République la Martine Moïse visité mercredi 10 octobre là, ville Grosbonne à Port-de-Paix. Première dame là, qui était gain avec lui, directeur général EPPLSA, t'a constaté état commune Sayo après tremblement de terre 6 octobre là. Et direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA inauguré mardi 9 octobre là, à plusieurs blocs sanitaires dans diverses communes dans le pays. République Chine-Taïwan célébré hier mardi 107e anniversaire existence li. Dans l'occasion, ambassade Taïwan en Haïti organisé yon réception dans Pétionville en présence plusieurs membres dans le gouvernement, membres co-diplomatiques à consulaire et puis acteurs dans le secteur culturel. Actualité à Piloin la Caille, État Floride, en bas gros vent avec la pluie à cause passage ouragan Michael. Mercredi 10 octobre, là, gouverneur Floride, là, Rich Scott, mandé population, suivre conseil autorité. C'est ensemble point nous allons développer pour vous, pas débrancher, n'abtonner. Non pas, c'est Yvenson Frank, n'a pas entré d'emblée dans le développement journal là, avec page météo, c'est collaborateur nous, Wilner Polidor, qui a présenté nous. Nous commençons avec aujourd'hui pour vision météorologique là. Merci pour fidélité. On a commencé sous région. Nous gain Haïti qui trouvé à la guerre de yon onde tropicale et on sa li porteur d'humidité sous paysage en ouest sous température de masse de là et en altitude gain un flux sud-ouest qui drainé par un creux capable provoquer humidité sous pays d'Haïti et en ce sens jeudi encore n'a pas tant nous avec activité la pluie sous majorité département non seulement en après-midi en soirée et au cours de nuit. Là. Et c'est pour ça, secrétariat permanent Cap Géris avec désastre de concert avec protection civile et UHM mettait sous pays à avis d'inondation sous majorité département parce que non seulement la pluie tombée hier, mais la pluie tombée avant hier rend que sol là saturé sous majorité département. C'est pour ça, moun qui était dans la zone ça, il faut être veillatif parce que inondation, éboulement avec glissement de terre qui va provoquer des situations qui sont très dangereuses pour le département ça. C'est pour ça, la majorité veillatif par rapport avec la pluie, j'en nous dis à sous tout département par rapport avec Mazdela qui humide et aussi nous gagne convection qui trouvait à l'arrière de onde tropicale que nous sommes parlé là. Pour capitale là avec zone qui avait on nous gagne capitale aussi qui en bas instabilité même si en journée nous avons temps qui gagne quelques brins de soleil mais nuages a continué à persister sous capitale là avec zone qui avait on et la pluie avec l'orage c'est ça que nous prévoit sous capitale là avec zone qui avait on c'est des averses cap faibles à modérées, parfois fortes par moment et par endroit sous capitale avec zone qui environne lieu. Température a monté jusqu'à 33 degrés, puis la descente c'est 23 degrés Celsius au cours de 8 ans. Mais inondation toujours été possible sous capitale avec zone qui environne lieu. C'est pour ça que des mounio prend précaution non seulement pas traverser rivière cap descendre, mais moun qui était bord à vine, bord rivière, faut faire attention par rapport avec activité la pluie cap augmenter non seulement jeudi mais aussi n'a bien pendant nuit là et au cours de soirée. La mer a toujours été agitée sous côte nous yo, c'est pour ça demander pêcheurs au capitaine embarcation précaution avec prudence parce que la mer l'a agitée sous toute côte nous yo et demander au rester vigilant parce que la pluie avec l'orage pour aller réduire visibilité elle pour rendre que navigation maritime là ont gens difficile, c'est pour ça demander en pile précaution pas juste au migrant sur la couche jeudi à 6h29 et la pleuvée de matin à 6h43. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous.
Nous t'ai annoncé au lit dans Titio, président République là, Jovenel Moïse participer mercredi 10 octobre là dans lancement programme appui à entrepreneuriat jeunesse là, programme ça qui réalisé sous direction ministère commerce et industrie et puis commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle Genio. Il va sélectionner environ 150 projets entreprises parmi plus passé 1000 candidats sur ensemble territoire. Reportage Sabine Jean-Étienne à Jean-Naël Duvernay. Programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse la Papège gen la donne jeune fille et garçon qui sorti dans 10 départements pays. Déjà, gen en Valais 150 entreprises qui lancé dans divers coins pays qui regroupé 577 jeunes entrepreneurs. C'est une série projet qui gen en pile avenir dans secteur affaires. Ministère commerce et industrie bay jeune entrepreneur sa yo accompagnement technique et financier tant qu'au crédit à bon taux pour permettre business yo prendre élan. Pas aucune institution à travers pays ya qui t'a accompagné nous si bien que Jean monsieur commission présidentielle yo ensemble de concert avec cadre ministère du commerce et de l'industrie au fait. Le débrouille au commerce Jean-Jacques pour joindre une façon que déposons comme pour nous prêter à un taux, bon, de l'emploi, on dit que, à un taux de 3% là, pendant ce temps que nous-mêmes, nous avons établi le business, nous avons au moins un an de grâce sans pour nous bailler 5 ans. Et puis, il n'y a pas qu'à prêter nous comme ça pour moins que 10 ans. Jeune entrepreneur Sayo dit au conscient de toute difficulté qui gagne pour un monde l'ouvrir business sous marché a surtout dans zone reculée. D'après jeune Sayo, programme appui à entrepreneuriat jeunesse là vienne offrir gros opportunité à une catégorie jeune qui tape flâner avec diplôme nan main yo sans aucun emploi. Président Jovenel Moïse, nous même 150 jeunes qui c'est premier bénéficiaire programme ça. Nous mandons pas la guerre programme ça parce que son programme qui va permettre à ce que nous gagnions possibilité pour nous déboucher sur sa révolution agricole. C'est un programme qui va permettre à ce que Haïti retrouve avec quantité d'entreprises qui ont gagné vers les années 80-90. Merci à l'équipe 4G programme ça. Merci pour la transparence. Yo. Nous sommes juste Saint-Michel de la Talagne, par contre personne. Mais je vous dis, je prends le temps pour moi-même, pas devant toute foule ça, pour me bénéficier d'un programme côté de Saint-Michel de la Talagne. Président républicain Jovenel Moïse soulignait détermination administration Languien pour intégrer un nouveau groupe entrepreneur dans le secteur affaires sans exclusion. Un nouveau groupe qui bail priorité à jeunes yo cap permettre yo gain accès à crédit sans yo pas besoin gain marraine ak parraine. Décision ça nous prend envie nous. C'est pire gros décision que nous devons prendre pour tête nous d'abord pour pays nous ensuite. Mal expliqué. 150 entreprises, 577 entrepreneurs. Mais nous ne pas dire combien de monde va le vivre, non. Ce monde va aller commencer à travailler. Ça veut dire 177 millions de gouttes pour le prêter. Et puis nous déraper. Chaque entreprise a en moyenne 5 mounes. On dit 4 mounes et demi, disons 4 mounes. 4 mounes. Avec dit maintenant, le chaque monde ça yo yo gen famille yo yo gen zanmi yo chaque entreprise ça yo pa employé moun. Est-ce que nous comprenons 150 premières entreprises ça yo dans zone côté nous aujourd'hui a qui impact que la pour faire. C'est pour ça m'a demandé ministre commerce campagne communication et pas la premier ministre tout moi très sensible à ça pour une campagne de communication massive autour de programme ça. Pour Jean-Yo et moi merci c'est un sénateur qui donne pour tous qu'il te mette sur affaire mesdames yo. Et moi connais responsable femme plurielle madame Claude qui là tout. Moi connais qui travaille qui fait pour mettre touche nos mesdames yo.
Et ça, il est important pour nous, en pile, pour mesdames qui vivent dans la section communale, qui vivent dans la commune, pour ne pas comprendre ce seul bagage là, c'est de venir dans la caille pour occuper du monde. Chef l'État a profité pour remettre symboliquement certificat par 5 entrepreneurs qui sortent Abricot, Port de Paix, Fondenègre, Gromone et Gantier. Entreprise ça a travaillé dans le domaine élevage cochon, assainissement de l'eau, poulailler, cassave et l'autre encore. Plus passé 78 cailles t'apprend frappe dans la commune Grand Rivière du Nord à cause tremblement de terre dans nos pays. D'après magistrat principal commune, là, Jovenel Jean, qui tout profité, mandé aide bon côté autorité centrale. En côté. Nous, même dans Grand Rivière du Nord, le tremblement de terre a été passé très fort. Et il est tellement passé fort, nous avons plusieurs cailles qui ont endommagé. Parmi eux, nous avons même l'église catholique là, qui a une partie là-dedans, bon clocher qui est fissuré. Et nous avons dit, le jour du tremblement de terre passé, et ce n'est pas le tremblement de terre en soi qui a causé le problème, mais c'est la formation de l'homme, parce que les gens ont pété courir, nous avons enregistré un pile de dégâts. Nous avons recensé la section communale, c'est l'ONSA Kazé qui a été dit. Nous avons plus passé 78 cailles. Qui endommagé au niveau centre-ville avec section communale. Bon, et nous pas un monde qui est victime tout? Non, nous pas un monde qui est victime physiquement. C'est pour me dire bien que et moun yo couri, gen moun ki prend ti choc, pye yo font ti fait au mal, mais nous pas un gros choc que moun yo prend physiquement. Juste qu'on y a gen moun qui pas dormi la kayo puisque qu'on est tremblement de terre a passé dans samedi. Et dans dimanche, à 4h encore, il y a une réplique fort, même j'entends que le tremblement de terre a été passé. Mais nous, au niveau de la mairie, dans le niveau du Nord, nous comptons accompagner les gens qui sont victimes. Bon, premier devoir, nous, c'était visiter les gens et parler avec eux, regarder comment ils sont. Après ça, il y a un conseil pour les gens qui sont qui sont fissurés, pour ne pas arrêter là-dedans. Parce que nous connaissons chaque fois que le tremblement de terre a fini de passer, répliquer, c'est le plus problème. Le cas il a fissuré, les répliques l'a fait, il a toujours des victimes encore. Dans ce sens, nous demandons Mounio pour déplacer. Et comme Mounio a des voisinages, des amis, des familles qui veulent reprendre, ça te permet que vous allez là avec des amis ou bien famille. Première dame République, la Martine Moïse, accompagnée directeur général EPPLS, là, Yvan Bisserette, directeur laboratoire national, là, Yves Fritz Joseph, et puis délégué départemental Nord-Ouest, là, visité ville Pot-de-Paix, mercredi 11 octobre, là, dans l'idée pour évaluer et puis renforcer l'intervention qui fait déjà, dans le cadre d'accompagnement de l'État, à bail victime tremblement de 6 octobre passé, à Lunel Jean-Louis Hack, Denis Jasmin, t'es sous place, en suivre. Toujours dans l'idée pour nous qu'embé informer sur GFO l'État central avec autorité locale a fait pour continuer à accompagner la population nord-ouest là, et spécialement ville Port-de-Paix. Donc nous connaissons qui était frappé par tremblement de terre qui était passé sous pays d'Haïti dans la date 6 octobre passé. Nous toujours sous place dans le département, nous toujours dans Port-de-Paix pour nous qu'embé informer de toute action autorité a posé en termes d'accompagnement. Eh bien, mercredi 10 octobre 2018 là, Première dame République qui était accompagnée avec directeur général EPPLS là, Yvon Bisserette, directeur général laboratoire national travaux publics, ensuite délégué départemental Nord-Ouest là, t'es visité diverses rues dans la ville Port-de-Paix en cours Rougefra, zone et fond numéro 1, côté première dame, t'es eu chance d'entretenir avec divers membres en de population. Faut que nous disions tout, c'était l'occasion pour première dame de faire un coup de pied dans l'hôpital Immaculée Conception. Nous connaissons qui endommagé par tremblement de terre. Nous avons profité même occasion ça à tout pour te visiter une clinique mobile que Biwol mette en place. Donc pour être capable de garder dans quel niveau travail la soin à avancer. Pour te voter président Jovenel, c'est pour te garder une servine. Et nous connaissons les nous gagnons cas. Nous avons un monde qui est là pour penser pour nous. Et le monde qui pense pour nous, pour faire action, pour venir sous terrain, pour voir qui problème nous avons, et puis lui-même pour faire action pour le faire. C'est comme ça que le président Jovenel est venu déjà, il est venu avec PM et C1, il est venu visiter nous, il a fait un premier coup d'œil. Mon connaît fille, la fille vini, tout petit sac qui est pour nous, c'est le cas où nous.
bataille, on garçon pas ka wè, fi wè yo. Nous te votel, c'est pour te ka ban nou service. Et jodi a, la ban nou service la. Nous venons là aujourd'hui à gagner DG EPPLS qui accompagne, gagner Laboratoire National tout qui accompagne. C'est de quoi que le président fume toute sa mise en place. Quand il n'y a pas construit, c'est le monde qui est capable là pour réaliser ça qui est pour réaliser. Donc d'avant, si vous venez pour construction qui a fait un lot de gens. Parce que l'homme garde des cailles qui tombent, c'est parce que nous n'avons pas de pied trop comme. Sorti café, sorti bagarre, il acheté pour sauver une mauvaise situation. Et pendant l'absence de mauvaise situation, il risque de perdre la ville. Oui. Donc c'est ça qui fait que le gouvernement a regardé pour voir comment il a pris en charge qui a fait pour construction qui a fait en l'autre gens. Gouvernement, PM, président, il a mis ensemble pour voir comment la ville a changé. Parce que si on est construction, nous ne pas faire en l'autre gens, on a toujours le même problème encore. Donc, comme moi, nous sommes venus pour nous regarder qui problème qui gagne, tout ce que le journal n'a pas, moi-même, à souhait pour me faire le voir, vous comprenez, nous-mêmes, tout le monde, ça pour la vie, nous a changé. Donc, moi, nous avons toujours été solidaires avec elle, nous avons été solidaires avec le gouvernement, parce que même si nous n'avons pas venu, il n'a pas oublié nous. Mais, où est-ce que vous avez en s'affolant, elle commence, vous avez fait un bifurcation par un bain, quand vous faites, c'est sous l'île qui travaille là, Koulia. Donc, bon, le, fuck. Vous l'arrivez dans la ville de Port-de-Paix. Nous reprenons, fuck, vous l'arrivez dans la ville de Port-de-Paix. Puisque tout gouvernement qui est passé en vol, pas de jambe de commencer. Mais là, il a commencé. Mais s'il commence, l'obligé fini. Et en route, c'est bon, on nous ferme un jour, on lève un jour, on ouvre les fêtes. Si c'est comme ça, on fait, nous ne pouvons pas la donner. Il n'y a pas de deux jours de casé, mais il y a une quantité de temps pour le prendre pour la cafette. Donc, nous voulons nous connaître que le président Jovenel, nous n'en pensons pas, c'est là. Parce que là, nous commençons le travail, c'est là où nous commençons. Nous avons fini dans l'auberge. Mais nous ne pouvons pas oublier quand nous sommes sortis. Nous pas oublier quand nous sortis. Et là nous finis, quand nous sortis, c'est là nous tournons. Ça veut dire que nous obligés à ranger, là nous tournons pour nous venir plus propre. J'ai été en vol pas qu'à être conscient encore. Pour là nous tournons, pour nous jouer dans le port de paix. Donc nous voulons nous connaître que le président Jovenel avec nous. Nous voulons tout nous-mêmes pour nous pas jamais suspendre Corel. Jodi a, nous accompagner première dame dans la visite à faire pour venir garder Abjel. Après par visite. Et président de la République, son excellent Jovenel Moïse, et premier ministre, son excellent Henri Séan, et bien, premier dame, une visite par pour venir garder qui Jean, chaque passé pour l'État, après tout le monde, qui a écrasé, qui a endommagé, pour garder le bâtiment public, et bien, EPPLS, qui est l'institution qui est responsable de la construction de logements sociaux pour le peuple là, et bien, il fait nous accompagner, lui, et bien, pour nous carrer ensemble avec lui, et lui-même, dans la recommandation, il va le faire avec tout président, pour nous reconstruire les gens qui grasent, et puis tout pour nous construire l'autre caille à l'autre population. Alors pour nous, parce que la mission EPPS, c'est construire logement pour les gens qui vulnérables, pour les familles vulnérables, pour les gens qui plient pour les gens qui ont des problèmes. Et le port de paix, une commune, un département nord-ouest qui est très vulnérable à tremblement de terre. Nous, la construction, en plus construction pas bon. Et bien, je vous dis à la, et bien, présence, tout, c'est pour nous, abjurer nous. Et ensemble avec le premier dame, et bien, intervention que nous allons faire. Et bien, après, passage, c'est ça qui a endommagé en pile caille dans le port de paix et dans l'autre commune encore. Et bien, là, ça, il y a trois bagailles, caille qui pourrait faire net, caille qui mérite réparer, caille qui mérite écraser, et puis l'autre caille tout qui pourrait construire tout, parce que nous connaissons une pile population vraiment qui va avoir un logement décent pour y habiter. Et bien, président Jovenel Moïse, avec toute prémisse séant, eh bien, nous connaissons, ils ont fait des logements sociaux, une priorité gouvernement, dans cet axe prioritaire, eh bien, le gouvernement Moïse, c'est, hein, eh bien, ils ont fait des logements sociaux, nous commençons à travailler déjà, nous avons des projets, déjà des projets pour construction de logements dans le département nord-ouest, et particulièrement dans la ville Port-de-Paix.
Première dame République Lamartine Moïse visité mercredi 10 octobre la ville Gromone Gonaïve. Première dame là qui était gain akli directeur général EPPLS là t'a constaté comment commune là yé après tremblement de terre 6 octobre là. John Herbie Casseus avec Pierre Henri Duvigno à Gregory Misna reportage. Il était environ 1h30 dans l'après-midi, la première dame nan Martine Moïse arrivée dans la ville Gromone. Première dame nan qui était gain akli directeur général EPPLS là, t'est venu constater des gaz séisme en fait dans commune nan, dans l'idée pour accompagner victimes yo. Moi m'étais venu pour me regarder qui problème moun yo gagné pour le m'a bay président petit conseil le soir là n'a parlé, m'ka échanger quelque bagarre avec comme ça lui même de petit bagarre pas ka wè et que lui même li ka profiter. C'est ça fait bien qui t'a accompagné et directeur EPPLS là parce qu'on connaît fort construction fait on l'autre gens tremblement était passé déjà en 2010 il passé l'autre jour là la balle toujours repasse encore c'est construction qui pour fait on l'autre gens nous gagnons compétence nous gagnons monde gagnons connaissance c'est utiliser yo pour que nous gagnions de meilleures constructions. Visite ça rentrer dans quatre virons première dame là a fait dans différentes zones tremblement de terre 6 octobre 2018 là t'est touché. Président Commission Minak Énergie, dans Chambre député à Patrick Norzeis, souhaité gouvernement mettre plus l'argent dans le budget pour bureau Minak Énergie pour faciliter direction sa fait travail libyen. Député Norzeis dit qu'il est nécessaire pour renforcer institution ça, surtout par rapport à un risque tremblement de terre dans le pays. Il y a un extrait dans le micro fait d'un confident avec Moïse Joseph. Le bureau des mines énergie gagne seulement 60 millions de gouttes annuels. 60 millions de gouttes et pour investissement et pour fonctionnement. Donc ça, c'est un bagage qui est inadmissible pour que par rapport à rôle, par rapport à l'importance du bureau des mines énergie, seule institution dans le pays à nous gagne qui peut faire prévision, qui peut faire sensibilisation. Qui en mettant des sismographes sur ensemble territoire là, qui pour justement et aider population à prendre des mesures à prévenir ouais. Donc malheureusement institution ça n'a pas aucun moyen et pour lui faire travailler parce que le bureau des mines d'énergie je dis hein, malgré toutes les promesses faites après 2010 le bureau des mines jusqu'à présent a un budget de 60 millions de gouttes. Bon, naturellement dans le dernier rectificatif, l'homme t'a fait remarque là pour nous essayer d'ajuster le budget de mine énergie. Bon, malheureusement, nous connaissons ce qui t'a fait aussi de manière urgente. Nous sommes dans la fin et deuxième session année législative là. Donc, ça n'a pas été en fait, mais c'est ça que fait moi, comment c'est des collègues députés. Yo, sur prochaine discussion, on a fait sous question budget république là. Pour que nous prenions en compte le budget du bureau des mines et de l'énergie pour que nous soyons capables de balayer les allocations budgétaires qui permettent que nous ayons plus de moyens pour déployer techniciens, pour déployer, mettre plus de sismographes sur ce territoire-là, mettre plus d'instruments d'analyse et de prévision pour l'EMSA. Donc c'est vrai que nous disons personne ne va comprendre le tremblement de terre a passé. Mais ça qui est important, c'est la résilience qu'il faut renforcer. C'est-à-dire que ce n'est pas tremblement, ce n'est pas onde de choc yo, qui généralement cause des dégâts. Ce n'est pas les ondes de choc du tremblement de terre qui causent en réalité des dégâts. Mais c'est plus ouvrage d'art. C'est-à-dire ouvrage infrastructure, yo, ça dépend de gens qui ont été faits. Cailloux, immeubles, d'autres éléments infrastructurels, ces gens qui ont été faits, c'est eux-mêmes surtout qui causent des dégâts, qui causent des catastrophes lors des tremblements de terre. Service génie municipal dans la mairie Pétionville a travaillé pour livrer permis pour moun construit. Responsable a envisagé accompagner et puis superviser construction yo dans la municipalité a grâce à ka moyen service la disposé pour éviter plus bidonville à ka gros dégâts et gain catastrophe naturelle. Télévision nationale d'Haïti te fait un chita palé à responsable service a dans la mairie Pétionville. En suivant, contre-indi, Falande Delphin à Wilson Idoré. C'est service génie municipal Pétionville là qui l'a pour contrôler construction dans municipalité Pétionville. À côté de livrer permis pour construire, service génie municipal mairie Pétionville, il y a plusieurs travail il fait. Travail ça varié selon projet mairie a gagné pour l'exécuter.
à cause manque ressources matérielles. Ingénieur qui responsable service ça fait connait véritable travail yo pas arrivé faire gens ça t'adoyé à cause plusieurs chantiers qui pas respecter norme yo exécuté surtout week-end et même la nuit. Les nous vinn faire permis consulant ça qui important qu'on a pour dire c'est suivi permis consulant. Par exemple, on a qu'à avoir un permis consul, il a formé maison à deux niveaux. Donc, on doit arrêter comme ça, sous pas, j'aime. Lorsqu'on a le permis, on va faire des suivis, on doit arrêter, ouais, c'est 4, c'est 5, c'est 6 niveaux que l'a fait. Donc, ça, moi, dès qu'on y est, on a fait un permis consul, on a des suivis qu'on fait. Mais, comme nous connaissons l'état, nous, très très faible, par exemple, nous avons des problèmes moyens matériels. Par exemple, grand pile construction, nous avons amusé, faire les samedis, faire les dimanches. Parce que vous connaissez, mais rien, il n'y a pas de travail et samedi et dimanche. Moi, je suis responsable, je travaille tout le jour. Sauf que, le jour ça, je n'ai pas de moyens matériels. Par exemple, je dois avoir une construction qui a fait. On joue samedi, je passe, mais puisque la machine privée est mieux. Nous avons une intervention comme ça, même pas qu'on une intervention en profondeur. Ces reconstructions ça dans la commune ont un gros impact écologique et environnemental sur l'autre commune dans le département de l'Ouest. Là. Ah, non seulement un impact ça, il n'est pas prêté sur la commune Pétionville seulement. Par exemple, on prend des communes, tant que la commune Croix des Bouquets, tant que la commune Tabar, ce sont des communes qui sont situées en aval de Pétionville. Par exemple, nous prenons des cas qui ont construit dans le monde. Qui pas respecté parce que même l'offre mais il y a plusieurs reprises j'aime dire nous il y a toujours et continuer les week-ends maintenant qu'on y a le plus souvent mais on a acheté du côté au fait par exemple c'est dans Flamonio c'est des côtés qui ont des pentes très raides il y a au fait au Boravine il y a au fait au Namon maintenant les lapes tombent puisque moi n'a qu'on y a tout bas ça il y a au problème érosion en surface parce que les moulins construisent tête bonne là les lapes tombent. Donc toute alluvion descend dans la ville là et toute alluvion ça c'est eux même qui va descendre quoi des bouquets qui va descendre là-bas donc ça a un impact négatif sur toute commune ni commune avoisinante ni la commune que l'affaire. Dans un pays tant que Haïti côté gain risque sismique et cyclonique sous tête li camper une série chantier construction dans quelques grandes villes à commune pas seule solution pour éviter gros dégâts les gain cyclone et tremblement de terre. Le plus souvent mairie aux pauvres en ressources matérielles. Donc, là, le conseil d'hygiène municipale, par exemple, parce que l'État central a supposé accompagner Mério, de telle sorte que, par exemple, le conseil d'hygiène municipale, au moins pour avoir des matériels roulants qui sont à disposition. Et je pense que si tu as fait un travail, c'est un travail en profondeur, chaque service d'hygiène municipale a supposé gagner anti-section travaux publics là-dedans. Donc par exemple, l'appli doit tomber, par exemple, nous prenons carreau de fer, les corails descendent. Donc, mais il n'y a pas de matériel. Donc, service de mise à l'an, pas besoin d'obtenir le ministère de travaux publics pour l'appréler, pour tomber à l'odeur, pour n'apprendre pas le passer corail. La solution à court terme, c'est d'identifier des espaces que formellement, il y a interdit de construire là-dedans. Et là, nous dit ça. Les ça son travail qui ne peut pas faire seulement avec la mairie, son travail qui est supposé faire de concert avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics, les Kazek dans la zone, Azek, et tout élu local, plus le conseil municipal là. Mairie Pétionville qui délivrait environ 800 permis construits par contribuables chaque année, pas épargné dans le phénomène bidonvilisation et construction anarchique qui a développé dans le pays depuis quelques temps. Électricité d'État d'Haïti démarré depuis novembre 2016 avec travail pour passer câble en bataille pour bail courant dans le pays. Travail ça doit de renforcer capacité pélig et puis fini avec installation traditionnelle. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Wilson Idoré. Travail ça a commencé dans l'île à voie 17 pour Albout Delma 33. La permettre électricité d'État d'Haïti construit une ligne en bataille cap évalué à 115 kV. Quantité ça pour renforcer capacité pélig pour bailler plus courant dans pays et puis améliorer performance EDH. Projet ça fait partie promesse campagne électorale président République là Jovenel Moïse pour bailler pays à courant 24/24. Système ça visé moderniser installation réseau électrique pour arriver mettre un bout dans système traditionnel là côté c'est sous poteau câble courant yo té konn passé.
avec système ça courant à plus fiable et puis gain plus assurance. L'autre nouvelle, direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA inaugurée mardi 9 octobre là, plusieurs blocs sanitaires dans diverses communes dans le pays. Parmi eux, il y a un bloc sanitaire dans Pétionville avec un lot dans le lycée Guy François Malaré dans Damien. Il y a un compte rendu Rachel Saint-Fort avec André Chéri. Construction infrastructure sanitaire moderne dans divers espaces publics dans le pays, tant que lycée, marché, gaouti et place publique, c'est un axe priorité administration président Jovenel Moïse là pour faciliter la population un bon service assainissement qui permet de faire besoin sans problème. D'après responsable, bloc sanitaire centre ambulancier Pétionville qui inauguré mardi 9 octobre là, c'est un bon pas qui pote solution à problème moun k'ap fréquenté espace là te gagné pour faire besoin yo. Magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch promet mais il prend responsabilité pour qu'embé espace là propre. Je remercie président pays qui te permet que bloc sanitaire ça capable construit qui te met moyen disponible. Donc son bloc sanitaire Jean Noël là qui fait nos espace bien n'importe 10,000 moun a fonctionné là-dedans. Donc son dehors pour montrer image. Donc pratiquement son bloc sanitaire qui bien construit et qui là et n'a moderniser bagaille ouais on fait prévision pour si gen moun handicapé qu'il capable faire usage de lit correctement. Donc on pense son bon pas. Donc là nous gen à peu près 8 toilettes pour garçons, l'autre bois nous gen même quantité pour filles tout. Donc on pense que son bon bagaille pour communauté en zone n'a tes besoin, Pétionville tes besoin, que à chaque côté qui gen pile moun a fréquenté comme ça qui te gen bloc sanitaire ça. Bloc sanitaire lycée Guy François Malaria qui inauguré dans même jour a facilité plus passer 2000 élèves qui fréquenté établissement ça. Fait besoin normalement. Directeur lycéa Fénol dans Saint-Ville à Kilevio remercie l'initiateur pour travailler ça. Très bon travail qui retire élèves nous dans conditions que était déjà. Maintenant nous parlons l'autre condition pour aller faire besoin besoin primaire que nous pour coca répondre satisfaire. Au niveau lycéa nous gagnons dispositif nous mettait déjà en place, nous gagnons ménagère, nous gagnons gardien qui pour nettoyer chaque jour et nous gagnons deux ménagères, une pour matin, une pour soir, qui pour aider nous à entretenir correctement. Et environ 2000 élèves qui répartis en deux groupes, un groupe AM qui gagne les classes fondamentales, troisième cycle, et les classes secondaires 1, 2, 3, 4, dans l'après-midi. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, fait qu'on est bloc sanitaire construit selon normes standards. Il profite l'occasion pour remercier le responsable qui t'a fourni à Pio dans le projet ça. Sous instruction du gouvernement central, là, à travers la présidence, nous avons enclenché en octobre 2017 la première construction de blocs sanitaires dans le lycée Pétionville. Et c'est suite à ça, côté que le gouvernement central a mis des moyens à la disposition de DINEPA pour DINEPA commencer construction de blocs sanitaires modernes dans l'espace public, à savoir établissement scolaire, l'État, à savoir place publique et marché public. Bien content beaucoup de temps là, magistrat Dominique Saint-Roch, parce que c'est lui-même qui t'a appuyé DINEPA dans l'initiative ça. Ni initiateur ni bénéficiaire, yo tout bay garanti bloc sanitaire yo a bien géré. Selon témoignage responsable yo, c'est moun ki recevoir formation capacité entretien bloc sanitaire yo. Responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement, dans le même journée, mardi 9 octobre, a inauguré des lots blocs sanitaires dans Arcaillé. D'après responsable d'INEPAYO, inauguration SAYO a annoncé qu'il y a plusieurs lots dans diverses communes dans le pays. Un compte rendu Rachel Saint-Fort et André Chéri. 30 blocs sanitaires SAYO qui inaugurent symboliquement mardi 9 octobre 2018 là dans Akaye. Parmi eux, blocs sanitaires qui sont complexe administratif et marché banane Akaye respectent toutes normes standards d'après responsable d'INEPA. Magistrat Akaye, Osmila Petit Frère Saint-Ville, félicite responsable d'INEPA, l'État central, pour travail ça. Pendant l'invité, au continuer travail pour mettre blocs sanitaires côté plus vulnérable. Je dis c'est avec pile contentement, nous avons recevoir DINEPA dans Arcaillé. Nous pas recevoir DINEPA dans Arcaillé pour nous inaugurer un bloc sanitaire,
mais nous avons recevoir du NEPA pour nous dire nous menons un bon combat avec du NEPA, avec directeur. Et jeudi, nous commençons à récolter pour le combat ça que nous menons. Nous avons réuni avec du NEPA jeudi pour nous célébrer le moment ça, pour me lancer un signal avec tout élu local pareil, moi, yo. Pour me lancer un signal avec tout le monde qui a dirigé pour nous dire Haïti nous besoin, hein, si nous voulons faire bagaille autrement, c'est dans suspendre construire la trine pour nous mettre bon bloc sanitaire pour nous apprendre la population vivre dans l'autre genre. Fosse septique, puisard, réservoir surélevé, réservoir enterré, lavabo, irinois, rampe pour mon handicapé. C'est parmi divers éléments où jeunes dans ce petit bloc sanitaire qui gagne yon parti pour filles, une pour garçons, yon l'autre pour handicapé, d'après le directeur général du NEPA, Guido Edouard. Directeur à promettre pour continuer le travail pour garantir bon service à l'assainissement de la population. Au niveau de l'Arcaïe, c'est seulement deux blocs sanitaires qui gagnent pour le moment. Mais nous avons 30 qui construisent. Nous avons qui construit Okaï, nous avons qui construit Cavaillon, nous avons qui construit Miragouane, nous avons trois qui construit Trou du Nord, nous avons deux qui construit dans deux lycées et Villocap. Nous avons une qui construit au niveau de Port-de-Paix, eh bien, reste c'est au niveau de la région métropolitaine. Eh bien, nous avons construit des blocs sanitaires modernes. Ça veut dire qu'il y a une fosse septique, qu'il y a un puisard, qu'il y a d'autres installations, pompes, réservoirs enterrés, réservoirs surélevés, eh bien, qui y a tout au moins qui varie entre 14 et 18 compartiments. Nous avons même franc pour faciliter l'accès à l'installation sanitaire à des personnes à mobilité réduite. Deux conditions fondamentales que nous demandons pour nous construire une installation sanitaire dans l'espace public, il faut les connecter à un réseau de l'eau, et bien il faut que nous ayons accès à courant. Parce que l'eau prend de l'eau dans le réservoir qui est enterré, qui est embâté à vous construit en béton armé, pour vous voyez li dans le château d'eau ou bien dans le Champlain, eh bien, vous avez besoin de courant parce que nous installons une pompe là-dedans. Eh bien, tous 30 blocs sanitaires là que nous construisons, ils obéissent à normes. Activité ça est occasion pour directeur général du NEPA Guido Edouard ensemble avec magistrat AKR Rosmila Petit Frère Saint-Ville signé un protocole d'accord qui engage deux institutions yo dans responsabilité au gagnant pour gérer bloc sanitaire yo. Nous allons observer une pause publicitaire dans le journal là, restez branchés, n'abtonnez. Actualité à bras poursuivre sur Télévision Nationale d'Haïti. Front parlementaire contre Grand Goût organisé mercredi 10 octobre là dans Pétionville. Il y a un atelier travail pour présenter rapport avec proposition. Atelier yo t'est organisé dans chaque département sous proposition loi sous alimentation scolaire. Président commission Front parlementaire contre Grand Goût, Tanis Tertius, expliquer proposition loi ça. Il y a une fois le voté dans le parlement pour le permettre Timounio bénéficier de plats chauds chaque jour. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Wilson Idoré. Atelier ça pour permettre à acteurs concernés de brasser l'idée sous besoin chaque département dans le domaine alimentation et puis garder ensemble puis bonne stratégie pour faciliter l'établissement scolaire gain manger pour offrir deux plats chauds chaque jour by Timounio. Président Front parlementaire contre Grand Goût, député Tanis Tertius, expliquer loi ça pour permettre agriculteurs yo augmenter production yo pour permettre gain capacité répondre à demande adjointe. Qu'on y a nous pour mettre proposition loi dans condition pour nous capable voyez la baye commission éducation dans chambre députée pour capable préparer rapport après ça pour nous capable voter proposition loi dans mois janvier qui va venir là proposition loi ça pour aller mettre un point dans toutes des autres qui t'a fait dans niveau cantine scolaire. C'est pour la première fois pays a pour le doter de une proposition loi concernant cantine scolaire. Les poils inciter
et ministère de l'Agriculture puis capable de faire plus d'efforts dans le niveau et secteur ça, il pourrait inciter plusieurs autres entrepreneurs agricoles viennent travailler parce que nous pas besoin pile prestataire de service pour qu'après viennent produit manger PNCS pour l'acheter manger en amayo que ti moun nan pour manger. Ministre agriculture ressources naturelles et développement rural là JODRC en grand saluer front parlementaire contre grand goût pour travail ça. Li di ministère apparaît pour porter appui li dans quatre efforts qu'a fait yo dans niveau ça. Cet atelier va nous permettre de sortir avec des éléments importants okay, pour étoffer cette loi et nous permettre d'avoir un document et nous permettant d'appuyer nos élèves. Donc le ministère de l'Agriculture est prêt à appliquer cette loi et s'associer avec le Parlement pour avoir une loi de qualité. Proposition loi ça gen la donne 45 articles environ d'après parlementaire. Yo pral exiger pour gagner un jardin scolaire dans chaque département côté ces élèves yo cap gen pour mettre camper jardin ça yo. L'autre point, plusieurs organisations internationales, Tanko, Minijust, Médecins sans frontières, Direction Police Norvège, ULCS, en collaboration avec Académie Police Nationale d'Haïti, clôturé mercredi 10 octobre 2018, là, dans Port-au-Prince, 3 journées séminaire formation sous lutte contre crime et agression sexuelle. Dans l'occasion, inspecteur principal ULCS, là, Manouchka Rémy, expliquait séminaire sabre à permettre la police à la justice. Renforcée dans le cadre de mission y a mené pour combattre crime et violence dans la société. Manouchka Rémy a porté plus d'explications dans le micro Colo Elisère avec Michel Joseph. L'initiative c'est ULCS, VBG, équipe VBG, Norvégien, et ensuite avec l'école magistrature et l'école nationale de police. Nous faisons pile constat, nous connaissons pile cas, que il y a pile cas de violence sexuelle qui répète dans toute la région, même à Port-au-Prince. Ensuite, que nous avons regardé que le travail, que la motivation qui est vraiment pour mener la lutte, nous devons être nécessaire pour nous capables d'organiser ces séminaires, sensibiliser plus de monde, porter plainte, de moins pour nous comprendre le phénomène et pour nous capables porter des solutions. Attente nous c'est moque moun yo connaît que existe une unité spécialisée dans le domaine pour capable venir porter plainte jeune plus moun venir porter plainte et pour nous comment nous capable résoudre problème nan pi bien. Député circonscription AKEA, Pierre Fekier, Julien lancé yon SOS by autorité sous situation insécurité qui gagnait dans AKEA. Parlementaire a dit li gagnait démarche la faible côté toute autorité locale dans l'idée pour organiser yon rencontre pour pencher sous situation ça. Yon extrait nan micro Fedner confident ak Moïse Wilbridge. AKEA fait la une. Tout projecteur fixé sous population AKEA, il y a insécurité en permanence. Nous n'avons pas qu'à hériter en bon cité, la cité du drapeau, AKEA qui est une zone de référence, une zone de paix qui est transformée en zone rouge. Donc ce n'est pas possible, nous disons c'est assez. Et dans le mandat que nous avons, député Fekir, ça fait une quinzaine de jours, nous avons adressé une correspondance par le président de la Chambre des députés, nous avons demandé pour monter une commission d'enquête pour aller au secours de la population de la CAE. Nous avons coordonné une réunion statutaire entre les autorités, les directeurs de services et les notables pour nous capables d'avoir occasion ensemble pour nous garder, pour nous faire état des lieux, pour nous harmoniser un plan de travail et pour nous garder ensemble comment nous allons conjuguer et pour nous retirer la CAE dans la dimension que l'IA. Dans l'occasion, 14e anniversaire, l'homme mort ancien coordonnateur général OPLA, Gérard Pierre Charles, organisation a réalisé une journée à Porte Louvry qui t'a gagné la donne, exposition à conférence débat sous plusieurs facettes sous la vie militant politique là. Coordonnateur pour la jeunesse dans l'organisation PEP Caplité à OPL, fait qu'on est, c'est une journée réflexion pour continuer sous même ligne avec vision ancien coordonnateur à t'a gagné. J'ai l'homme juste dans le micro, Stéphanie Charles et Henri Robert Chéri. Jeudi, c'est 14e anniversaire la mort premier fondateur Patia, qui c'est alors premier coordonnateur général Patia, qui c'est Gérard Pierre Charles, que jeudi, nous avons décidé, directoire général, directoire
OPL là t'es décidé de faire une journée porte ouverte dans ce premier temps. Nous t'ai recevoir en pile et dirigeants d'autres partis et de personnalités qui t'est venu visiter activité que n'a fait dans parti là et dans l'autre occasion nous t'ai gagné une fête gagné une conférence qui était présentée par le professeur Sauveur Pierre Etienne sur la vie de Jean-Pierre Charles et en tant que savant, en tant que politique et en tant que tout ça qui était fait dans la partie. L'OPL était OPL. En dehors de toutes activités qui est capable de gagner, même si Jean-Pierre Charles c'est un ancien coordonnateur, mais c'est toujours l'idéal de Jean-Pierre Charles. L'idéal, c'est pratiquement les mêmes personnalités. Toujours gagner ancien coordonnateur Sauveur Pierre Etienne qui est passé, qui est là comme présentateur de conférence temps. Et gagner actuel coordonnateur général de l'OPL et Gallo Blanc-Fils, qui c'est en même temps un membre fondateur de parti. C'est pratiquement toujours les mêmes personnalités, toujours d'activité. C'est toujours continuité qui gagne dans la partie. C'est pas seulement Jean-Pierre Charles en tant que premier coordonnateur qui a une vision de parti. C'est toujours même idéal là, c'est même activité que tu vas prendre. L'autre information, institution auditée interne annoncée, 7e édition séminaire audit interne, mercredi 10 octobre 2018 là, cap bien pour fête lundi 12 pour arriver vendredi 16 novembre cap vini là, sous thème corruption, blanchiment d'argent avec financement terroriste, nan ki sa audité à contrôler interne concerné. Initiative ça prend d'après responsable dans l'idée pour permettre professionnel sa yo mener contrôle cap faciliter bonne gouvernance nan institution yo privé à public. Gali Amazon, premier vice-président IAIA, expliqué activité ça ouvert à toute secteur dans vie nationale là et spécialement institution qui dans service contrôle tant coup palmant ULCC, coup supérieur des comptes et la trier. En suive plus explications dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge. La semaine de l'audit qui c'est 7e édition semaine de l'audit qui c'est une activité annuelle. Côté nous réunis ensemble de professionnels qui dans domaine là tant en Haïti qu'à l'étranger qui viennent débattre de thématiques qui concernaient profession à travers le monde et notamment en Haïti. Et cette année nous avons un thème qui est un petit peu d'actualité. C'est la question de la corruption, du blanchiment des avoirs. Qui ça auditeur interne a fait pour aider dans améliorer l'environnement ça? Et c'est à ce niveau nous avons un cocktail inaugural qui a fait dans lundi après-midi. Nous avons deux séminaires. Un premier séminaire mardi et mercredi. Un deuxième jeudi et vendredi. Qui a animé par deux experts dans le domaine. Chaque année, l'activité a gagné un séminaire et une semaine de l'audit. Ça là. Mais il y a un bagage après nous, c'est que la fête du 12 au 16, le Caribe. Et en prélude à semaine de l'audit, ça là, gagné coaching qu'a fait pour monde qui veut préparer yo pour capable venir gagner certification en audit interne, pas vrai, la fête dans El Rancho 9 au 11. Association Psychonaissance a réalisé une conférence débat mercredi 10 octobre là pour marquer Journée mondiale santé mentale. Activité ça, c'est occasion pour étudiants, professeurs et professionnels santé mentale chita réfléchir sous question ça dans le pays d'Haïti, soins santé mentale en Haïti, défi, enjeu avec perspective, ces thèmes qui t'est kembé pour déroulement activité là qui fait dans l'idée pour vulgariser psychologie dans le pays. Un extrait d'un micro Rodney d'Orléans avec Henri Robert Chéris. Oui, si mon nan gon moun ki gon problème mental la kayli, surtout si mon nan atteint de psychose, moun bat li, yo mare li, le voye l peut-être ka on gan on boko moun yo maltraité li, même nan milieu religieux, l'église tout protestant nou wè comment ki yo traité moun sa yo. Donc, il est nécessaire pour nous capable ensemble réfléchir sur qui ça santé mentale lan yé, qui ça on maladie mentale yé et nous même qui place qu'une supposé bay moun ki gen problème mental nan pays. C'est une attente qui gagne pour avec nous-mêmes étudiants, que nous peut-être comprendre que théorie que n'a fait pas seulement en l'air, que gagne des bagailles dans la société qui doit interpeller nous. Donc, matin, nous théorie avec Jade Labbé, c'était un petit bagaille qui m'a partagé avec nous que c'est pas parce que on moun en la faculté de sciences humaines qui fait que les suspens pensent que maladie mentale c'est loi.
que c'est Jab qui voyait. Donc ça veut dire nous pas voulait faire la science en l'air. Donc avec activité ça, nous voulait récolter réflexion pour nous capable continuer garder et puis nous même capable construire des peut-être plus tard des théories de la maladie mentale, de la santé mentale en Haïti qui propre avec nous et qui vraiment capable porter des solutions durables dans la société. Ambassade Chine-Taïwan en Haïti organisé mardi 9 octobre là, une réception dans Pétionville dans l'idée pour célébrer la 107e fête nationale République Chine-Taïwan. Réception ça a été déroulée en présence plusieurs membres d'un gouvernement avec secrétaire d'État, membre corps diplomatique à Consiléa, cadre d'administration publique là, acté dans le secteur culturel et artistique là. Reportage Roosevelt Desrosiers avec Carole son idoré. Réception ça a été occasion pour représentants de pays yo renouveler engagement yo pour renforcer liens amitié qui m'a connu yo depuis 62 l'année. Ambassadeur Chine Taïwan en Haïti a Chingao Wu présenté condoléances li bay population haïtienne nan surtout à moun ki victime pendant tremblement de terre 6 octobre là. Diplomate la promet pays a continuer supporter Haïti dans différents domaines tant que éducation à encourager investisseurs étrangers venir dans pays. Dans cette perspective, mis à part les projets déjà planifiés, les experts taïwanais se sont aussi engagés dans des missions d'inspection sur la faisabilité des grands projets d'infrastructure qui tient à cœur Son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse. Au fait, la première mission du genre a été accomplie en septembre dernier, avec pour cible d'inspection une route périphérique à péage, un chemin de fer transversal pour améliorer le trafic tant à Port-au-Prince que dans sa zone métropolitaine. Deux centrales électriques, dont l'une hydraulique et l'autre à gaz naturel liquéfié. Un port maritime de conteneurs à Mont-Saint-Nicolas et 150 000 hectares de parcelles de terre à arable à remettre en exploitation. J'espère que les retombées de ces inspections taïwanaises se feront sentir dans mon pays, notamment en matière d'investissement direct du secteur privé taïwanais en Haïti. Ministre planification et coopération externe, Jean-Claude Pierre, salue les efforts réussis du pays Taïwan fait après 107 années d'existence. Le ministre Pierre déclaré qu'il souhaitait pour relation entre Haïti et la République Chine-Taïwan continuer à faire chemin dans l'intérêt des peuples. Je voudrais également profiter de cette occasion spéciale pour saluer les retombées positives des différents projets financés et réalisés par le gouvernement et les entrepreneurs taïwanais en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, le 107e anniversaire de la République de Chine, Taïwan, il faut toujours le rappeler, m'offre l'heureuse opportunité de féliciter le gouvernement de votre pays pour le modèle de réussite qu'il représente aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'impressionnant dynamisme du peuple taïwanais et le souci constant de ses dirigeants à œuvrer au renforcement des institutions républicaines ont valu à votre pays, monsieur l'ambassadeur, le respect et l'admiration de ses pairs sur la scène internationale. Et ce, malgré l'incompréhension dont il est certaines fois victime. Fête nationale République Chine-Taïwan, célébrée pour première fois en 1912. Fête ça, commémorer anniversaire soulèvement 10 octobre 1911 l'an, qui marquait fin dynastie Qing avec régime impérial là et puis fondation République Chine Taïwan. C'est le moment pour nous prendre l'autre pause, Naptonin pour reste information. Nous allons faire un coup de pied tout coûte l'autre bord de l'eau, Floride, préparé pour recevoir ouragan Michael mercredi 10 octobre 2018 là. Gouverneur Floride là, Rich Scott, mandé population suivre avertissement Ubaï pour protéger la vie. On suit.
Ouragan Michael t'a touché côte États-Unis avec un pile vent qui a dépassé 200 km/h mercredi 10 octobre 2018 là. D'après autorité américaine, le niveau de la mer a monté presque 4 mètres par zone. D'après le gouverneur Floride, Rick Scott, Michael, c'est une tempête qui a plus déstricté, qui touchait Floride depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis d'après prévision service Agence l'État sur Twitter, le 19 octobre, là, c'est pas la tempête qui est puissante dans plus passé 100 ans. Le président américain a approuvé le 19 octobre là, l'État Agence. Le gouverneur Floride a été déclaré dans 35 comtés dans Floride, ce qui te permet de débloquer plusieurs moyens supplémentaires ensemble avec plusieurs fonds fédéraux. Une façon pour faire face à conséquences ouragan, 2500 soldats garde nationale l'a mobilisé. Lundi 8 octobre là, Michael touché pointe ouest Zile Kiba, ça qui déclenché inondation, formation ouragan soulage côte Honduras pendant week-end dans la cause la mort en dizaine moun dans Amérique centrale là. Polynésie accusé État français hein, pour crime contre l'humanité pour essai nucléaire dans le Pacifique. Là. L'idée indépendantiste polynésien hein, Oscar Temaru déclaré qu'il a déposé plainte semaine passée devant la Cour pénale internationale. Là. Pendant 30 ans, entre 1966 et 1996, la France réalisait 193 essais nucléaires dans Mururoa et Fangatofa. Et c'est ça, il y a un mauvais effet sur la population hein, côté santé. Avec environnement affecté. Les dirigeants indépendantistes là précisé ils ont cherché un dialogue depuis 2013 avec puissance administrative là sous supervision Nations Unies, mais autorité française n'ont pas de répondre à appel ça. D'après Géricio, il y a une possibilité pour plainte Polynésie n'a pas abouti puisque la Cour internationale là pas compétent pour juger crime qui était fait avant juillet 2002. Polynésie française, c'est ensemble territoire outre-mer France qui vient plus passer sans îles dans la côte pacifique sud là. Les différents points notés développés pour dans le journal là, président République là, Jovenel Moïse participé mercredi 10 octobre là dans le lancement un programme appui à entrepreneuriat jeunesse là, programme ça réalisé sous direction ministère commerce et industrie et puis commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle Genio. Première dame République Martine Moïse visité mercredi 10 octobre là ville Gromon à Port-de-Paix. Première dame là qui était gagné le directeur général de PPLS là, t'as constaté état à commune Sayo après tremblement de terre 6 octobre là. Direction nationale de l'eau potable à assainissement n'est pas inaugurée mardi 9 octobre là à plusieurs blocs sanitaires dans diverses communes dans pays. République Chine Taïwan célébré hier mardi à 107e anniversaire existence li. Dans l'occasion, ambassade Taïwan en Haïti organisé une réception dans Pétionville en présence plusieurs membres d'un gouvernement, membres corps diplomatique à consulaire et puis acteurs dans le secteur culturel. L'actualité internationale là est à Floride en bas gros vent avec la pluie à cause passage ouragan Michael. Mercredi 10 octobre là, gouverneur Floride là, Rich Scott, mandé population à suivre consigne autorité. C'est là n'a mettez en bout dans le journal là, toute équipe là te répondre présent pour porter le pour vous. Merci pour attention, bon la nuit tout le monde.